Salut, salut les gars, voilà, c'est Samos Pita, vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Rissor 225. Voilà, donc pour ceux qui viennent juste de me voir, essayez de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ici, je donne des informations sur des bourses et puis on essaie aussi de les aider, de vous aider à pouvoir postuler à ces bourses. Voilà, dans ce domaine, nous avons assez d'expérience, donc c'est pas un souci. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, ils peuvent nous contacter inbox. Voilà, donc. Ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que pour ceux qui ont toujours voulu de la bourse des États-Unis, voilà, il y a l'université du Nebraska qui a ouvert le bal pour le spring 2021. Donc, la date limite, c'est le 15 octobre. Alors, pour ceux qui sont vraiment intéressés, il vous suffit juste de pouvoir postuler, de suivre la vidéo et de postuler. Sachez que ici, je donne des informations sur les bourses, quelle que soit la bourse, même si elle est partielle, même si elle est complexe, voilà, je donne des informations. Et ça va dépendre à l'étudiant de voir qu'est-ce qu'il va faire de ces informations et tout ça. Voilà. Et si vous avez des soucis, essayez de poser aussi des questions en commentaire pour que je puisse vous aider à pouvoir les répondre, pour que je puisse un peu vous éclairer. Voilà. Donc, dans un premier temps, d'abord, ce que je voulais dire dans un premier temps, avant de pouvoir postuler à cette bourse, je voulais donner un peu de rappel pour ceux qui ont reçu. Il y a au moins 98% des étudiants qui ont postulé à la bourse de Russie qui ont reçu comme ça des messages d'une préparation ou bien d'une ouverture des frontières de la Russie et qu'ils devaient comme ça s'apprêter en ce qui concerne le vaccin du Covid pour pouvoir se vacciner et venir en Russie. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que ces informations, je ne dirais pas qu'elles sont fausses parce que ça vient de la Fédération de Russie à tous les étudiants qui ont postulé pour la bourse. Voilà. Mais ces informations aussi concernent directement ceux qui ont eu déjà l'ouverture avec le gouvernement russe. Voilà, donc pour ceux dont les pays n'ont pas encore eu d'ouverture, voilà, ils vont attendre. Et lorsque vous allez avoir, votre pays aura l'ouverture avec la Russie, voilà, vous allez maintenant utiliser les informations que vous avez reçues pour pouvoir postuler et pour pouvoir venir y étudier. C'est ce que je vous dis, forcément, cette pandémie va disparaître. Donc, forcément, ceux qui ont déjà reçu les bourses vont venir étudier. Voilà, donc ne vous pressez pas, soyez calme. Et puis, ceux qui ont reçu, encore mes félicitations. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu, c'est pas un problème. La bourse sera lancée d'ici novembre. Vous allez commencer aussi à postuler. Et n'oubliez pas qu'il y a déjà une génération qui est là-bas encore au pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, en ce qui concerne la bourse de Russie et le message que vous avez reçu, ça concerne directement ceux qui ont déjà l'ouverture avec le gouvernement russe. Voilà, donc revenons à nos mots. Donc, c'est en ce qui concerne la bourse du Nebraska. Donc, la bourse du Nebraska, les documents qu'il faut pour pouvoir postuler, ce sont les mêmes documents. Voilà, le passeport, le relevé, voilà, et puis une lettre de recommandation, une lettre de motivation. Voilà, et. Donc, nous allons pouvoir essayer de faire quoi? Dans un premier temps, de postuler en ligne et d'abord de s'inscrire sur le site. Et lorsqu'on va finir de s'inscrire sur le site, on va chercher maintenant l'admission. Et après l'admission, on va essayer de postuler pour la bourse. Mais dans un premier temps, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais essayer de faire quoi? De scinder. Je vais essayer d'abord de m'inscrire sur le site. Quand je vais finir, je vais faire une deuxième vidéo pour chercher l'admission. Et ensuite, on va vous montrer comment est-ce que vous devez chercher la bourse après l'admission. Donc les gars, n'oubliez pas, c'était moi le Samos Pita, donnez-moi une pouce bleue, voilà, pour ceux qui veulent me partager mes vidéos, voilà, pour ceux qui veulent partager mes vidéos, c'est pas un problème, ça me fera vraiment plaisir, essayez de partager mes vidéos, et à tout à l'heure les gars, on y va. Allez, salut, salut, voilà, comme je vous avais dit d'abord au début,
Donc, ici, c'est quoi? C'est l'université du Nebraska, donc aux États-Unis. Donc, pour tous ceux qui sont vraiment intéressés, c'est le moment de postuler. Ceux qui ont attendu cette bourse pendant longtemps, voilà, elle est disponible maintenant. C'est une bourse d'entrée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous postulez en même temps que la bourse et en même temps que votre admission pour la rentrée. Donc, la date limite, c'est le 15 octobre. Donc, faites l'effort de pouvoir postuler. Voilà, c'est la même chose, rien n'échange. Dans un premier temps, vous allez d'abord essayer comme ça de vous abonner sur les sites. Voilà. Et dans un second lieu, vous allez maintenant postuler à leur bourse. Voilà. Donc, c'est vrai que la bourse ici, elle n'est pas vraiment, je dirais, totale parce que c'est une bourse qui prend seulement en compte que la scolarité et non les éléments extérieurs à la scolarité, c'est-à-dire les voyages et tout ça, non. Donc, si vous voulez postuler, il n'y a pas grand-chose. Les informations que je donne, c'est juste vous montrer le site. Voilà, moi j'aimerais bien vous montrer le site pour que vous-même vous puissiez postuler. Et dans un premier temps, d'abord, on va essayer de faire quoi? On va essayer de s'inscrire sur le site et aussi prendre quelques informations par rapport au site. Un instant que je traduis un peu en français pour voir ce que ça donne. Voilà, pour que tout le monde puisse être au même niveau. Voilà. Donc, j'espère que ça sera en français. Bon, même si c'est pas en français, je vais essayer de vous aider un peu. Alors, c'est pas un problème. Donc, ici, quelles sont les conditions de la bourse? Voilà. Donc, ici, si on clique là, les conditions de la bourse. On dit ceux qui viennent nouvellement, ou bien par transfert, ou bien par pour ceux qui viennent pour la licence des étudiants étrangers. D'abord, il faut être étudiant étranger, voilà. Et ici, il faut être enrôlé à l'université du Nebraska en full time, c'est-à-dire pour un apprentissage complet, voilà. Et il faut être éligible et avoir un degré de bachelor. C'est-à-dire, bon, ici, quand ils mettent bachelor, c'est pour ceux qui viennent pour le master. Voilà. Et ici, scholarship amount will be based on enrolling status at the end of the first week of class. The amount will be adjusted if a course is dropped during the institution refunding period. Donc ici, on vous dit que les histoires, les fonds de la bourse seront reconnus ou bien seront calculés pour la première, lorsque vous allez commencer les cours là-bas. Pour la première semaine de cours, voilà. Donc, scholarship does not apply online degrees, degree program or graduate course. Scholarship does not apply to online degree. Donc ici, maintenant ceux qui vont étudier en ligne, eux, ils n'auront pas de bourse, voilà. Donc, si vous voulez étudier en ligne, vous n'allez pas avoir de bourse. Et c'est scholarship for all international students. Donc, voici les deux scholarships que vous pouvez postuler pour cette bourse d'abord. Et si vous finissez, pour cette bourse, qu'est-ce que vous allez faire? Must be international at university. Donc, ici, pour cette bourse, la première condition, il faut être étudiant étranger. Et la deuxième condition, il faut être enrôlé, pourquoi? Pour 4 ans dans un programme de master. Voilà. Et ici, preference will be given to those planning to make career on humanitarian work. Bon, ça c'est pas très important, mais ici on dit qu'il y aura par exemple comme ça ceux qui seront privilégiés un peu, c'est ceux qui vont travailler dans le travail humanitaire. Vous comprenez? Travail humanitaire, ceux qui vont être peut-être dans le service de la Croix-Rouge, le service de l'État, en tout cas, vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et ensuite, il y a la bourse de quoi? Du Rotary. Voilà. Et il y a la bourse de l'excellence ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est pour ceux qui sont déjà là-bas. Ceux qui sont déjà inscrits là-bas dans l'université. Donc, là, vous n'avez pas de problème avec. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord s'inscrire sur le site. Voilà. Et une fois qu'on finit s'inscrire sur le site, maintenant on va chercher maintenant à postuler pour la bourse. Donc on va aller un peu rapidement s'inscrire sur le site et puis voir ce que ça donne. Donc on y va les gars. Donc pour s'inscrire sur le site, vous allez cliquer sur apply, voilà, et vous allez choisir
licence master ou bien doctorat. Voilà. Et si je prends par exemple la licence, je vais cliquer sur undergraduate. Et de là-bas, je vais essayer de m'abonner ou bien de m'inscrire sur le site. Voilà. Donc ici, undergraduate application options, select appropriate undergraduate options. Donc ici, undergraduate seeking. Donc c'est pour ceux qui cherchent à faire la licence. Donc vous cliquez là. Voilà. Et ici, on vous demande, have you graduated or will you graduate from the high school locality in Nebraska? Donc vous me dites non. On vous demande est-ce que vous êtes déjà gradué ou bien vous allez avoir un diplôme à l'université de Nebraska. Vous me dites non. Voilà. Do you currently reside in the state of Nebraska? Est-ce que vous vivez actuellement au state du Nebraska? Vous mettez non. Voilà. Et vous cliquez sur continue. Voilà. Donc ça, c'est pour juste d'abord permettre à créer son compte. Voilà. Vous voyez ici. Vous allez créer votre compte. Maintenant, ceux qui ont déjà le compte, vous allez venir ici, sign in, pouvoir continuer. Maintenant, créer le compte ici. Donc, je vais d'abord créer le compte et une fois qu'on finit, on va maintenant chercher à postuler à la bourse dans un deuxième temps. Voilà. Donc ici, pour créer le compte, create an escrow account, investir en bank application username. Donc, vous mettez le username, vous allez mettre ce que vous voulez. Moi, par exemple, ici, je vais mettre par exemple username. Ok, putain. Et en second lieu, c'est l'adresse email. Je vais prendre l'adresse du compte. Ok, je vais prendre mon adresse email. Ok, après ça, le password, vous créez votre password. Voilà, mais moi je préfère beaucoup lorsque ça commence par une lettre majuscule. Donc vous pouvez commencer par une lettre majuscule. Ok, on va confirmer ici. Ok, on va essayer maintenant de valider ça. Donc ici, ok, Yannick Robot, ça c'est en russe, ne vous inquiétez pas, c'est parce que moi aussi c'est mis en russe, c'est pour cela que vous voyez les éléments en russe là. Donc créer un compte, on va voir ce qui se passe, s'il y a un souci, ils vont nous dire. J'enregistre. Donc, comme si vous voyez bien ici, on dit quoi? Registration successful, please use your credentials to login. Donc, moi j'ai déjà enregistré. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, je vais aller directement. Vous pouvez vérifier aussi dans votre mail si vous avez reçu un message. Voilà. Je vais directement faire un sign-in. Cliquer sur sign-in directement, voir. Pour que je puisse aller sur mon compte et chercher à avoir une admission et aussi postuler à la bourse. Comment ça se passe, mais n'oubliez pas quand vous remplissez, essayez de les remplir en anglais. Donc, ici, deuxième prénom, moi je vais prendre des prénoms comme ça. Voilà, ça c'est mon prénom. Deuxième prénom, c'est pas la peine. Le nom, je mets ça. Voilà, et le suffixe aussi, ici, c'est qui, monsieur Junior. Junior, senior, junior. Et sachez que c'est pas aussi important, n'oubliez pas. Ok, donc prénom choisi, c'est pas aussi. Prénom sélectionner la meilleure qui s'applique. Ok, demandez-moi mes prénoms, il ou elle, pas de prénom, utilisez mon nom. Ok, donc utilisez mon nom. Type de demandeur, type de demandeur,
tu es là, étudiant de première année ou bien étudiant de première année adulte, transfert, élève, si vous étudiez déjà là-bas, voilà, mais ce n'est pas votre cas. Voilà, donc on met étudiant de première année. Voilà, donc. Et de là, qu'est-ce qu'on va faire? On dit étudiant de première année, étudiant de moins de 21 ans, diplômé du secondaire qui fréquente l'université pour la première fois. Donc, déjà automatiquement, vous voyez un peu, ils vous ont déjà étalé ici hein, des critères. Voilà, pour pouvoir postuler, étudiant de moins de 21 ans. Donc, n'oubliez pas, donc si vous avez plus de 21 ans, c'est pas la peine de continuer parce que ils vont comme ça. Fais d'abord le tri en pensant à ceux de moins de 21 ans avant vous. Voilà, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas postuler, mais sachez que ça sera un peu compliqué de commencer par vous, même si vous avez un bon niveau d'études. Voilà, vous avez un bon dossier, ça sera un peu compliqué si vous avez 24 ans et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut continuer ici sur prochain. Donc, sur prochain, s'il y a un souci, ils vont vous dire, vous allez rectifier. Ok, ici on vient là, information personnelle, date de naissance, adresse. Donc, date de naissance, étant donné que je viens par exemple pour la licence, je vais mettre que je suis né comme ça le 26, ou bien je suis né en mars, ici l'année, je vais voir l'année en 2002. Voilà, je vais mettre 2002 comme ça va. Marié un peu ou 2003, voilà. Et mais ok, c'est bon, je crois. Donc, je vais changer 2002 date de naissance. On dit moins de 21 ans, moins de 21 ans. Dans les normes, je dois être né en 2000, je vais prendre 2005, 21 ans, 2005, 25. 2009, 2010, c'est quoi? C'est 15 ans. 2010 et 2021, c'est 11 ans. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je vais prendre 2006. Mais, pour l'instant, ok, si par exemple comme ça c'est moins de 21 ans, alors la date qui va marier avec 21 ans, pour une personne qui a 21 ans comme ça, il faudra être né en l'an 2000. Voilà, donc moins de 21 ans, moi je considère que je suis né par exemple en 2000, 2015 par exemple. C'est 2015, ça fait un peu chelou, donc 2002. Donc, je vais prendre comme ça 2002. Donc, le 21, deuxième mois 2002. Voilà. Le mois, le jour. Ok, le mois, le jour et l'année. Donc, le mois, deuxième mois, le jour 21 et 2002. Ok, donc ici, souhaitez-vous signer des noms antérieurs? Non. Voilà. Ici, sexe, c'est quoi? Homme. Ok. Ici, au prochain. Donc, on va aller au prochain. Donc, arrivé là, qu'est-ce qu'on fait? Pays. Ici, je vais. Information personnelle, date de naissance, partenaire. Ici, pays, Côte d'Ivoire. Ok. Et adresse 1. Adresse. Je vais mettre Abidjan. Vous mettez votre adresse. Voilà, moi je vais mettre Abidjan comme ça. Ce n'est pas un souci pour moi. Vous mettez votre adresse. L'adresse numéro 2, ce n'est pas un souci. Regardez bien les éléments où il y a les étoiles. C'est ce qui est primordial. Voilà. La ville Abidjan. Ok. Province. Voyons voir.
des lacs. Ok. Et code postal, c'est pas un souci, mais vous pouvez mettre votre code postal. Voilà. Essayez de voir quel est le code postal que vous voulez. Et puis, ok. Cellulaire, numéro de téléphone. Plus 225. Numéro de téléphone non alternatif, numéro de téléphone, etc. Plus 225, 44. Ok, vous voyez qu'ils ont mis réponse invalide. Donc, je vais enlever un peu cela. (00) 225 59 33 et 44. Numéro de téléphone alternatif. Si vous avez d'autres numéros de téléphone, vous pouvez les mettre. Voilà, c'est pas un souci. Adresse email utilisée. L'email, voilà, c'est mon mail qui est là. Donc, c'est pas un souci. On peut avancer. S'il y a un souci, ils vont vous dire, vous allez rectifier. Donc, c'est pas un problème. Ok. Et ici, information sur les premiers, sur les parents. Voilà. Donc, ici, le nom du père. Si vous voulez dans les familles et parents, ici tuteur qui vit où, vous allez mettre tout ça. Donc si moi je prends par exemple prénom du père, je vais prendre, et son nom de famille, voilà, et ici adresse du parent tuteur, adresse ici c'est Côte d'Ivoire. Ok, et ici la rue, vous mettez ici la rue, vous mettez ce que vous voulez. Ok, ici c'est pas la peine, la ville, Abidjan. Ok, le mail du parent, voilà, vous pouvez mettre le mail du parent et vous pouvez avancer. Si le parent n'a pas de mail, c'est pas un souci, voilà, mais vous pouvez mettre le mail du parent aussi. Donc s'il y a un souci, ils vont vous dire. Donc moi je vais mettre prochain. S'il y a un souci, ils vont me dire. Voilà, ici parent numéro 2, ce n'est pas un souci, vous pouvez laisser, vous pouvez avancer. S'il y a, s'il veut que vous remplissez, ils vont vous dire et vous allez les remplir. Donc ici, ethnie, origine, es-tu hispanique ou latino? Non. Sélectionnez une ou plusieurs des cours. Indien, asiatique, noir, afro-américain. Oui. Et ici, vous finissez, il y a prochain. Citoyenneté, statut du citoyen. Ici, citoyen américain, non américain. Indiquez votre langue, bon, non américain, pays de naissance, Côte d'Ivoire. Pays de naissance, Côte d'Ivoire. Ici, statut,
statut, asile résident permanent, statut étudiant académique, étudiant d'échange, étudiant académique F1. Statut de profession, étudiant permanent, asile accordé, étudiant académique. Ok, indiquez votre langue maternelle, éducation, votre langue maternelle, vous mettez français. Souhaitez-vous fournir votre numéro de sécurité sociale? Vous n'en avez pas, donc non. Ok. La fournie du numéro accordé à des fins de vérification et de documentation, le numéro de sécurité sociale est requis de la déclaration, l'éligibilité à l'aide financière, financière nécessite votre numéro de sécurité sociale. Ça, c'est pas un souci. Une fois que vous allez postuler là-bas, vous allez avoir l'admission et ils vont vous donner un numéro de sécurité sociale, donc c'est pas un problème. Alors, avançons. Ok. Donc, ici, information complémentaire. Ici, comme ça, information complémentaire. L'un de vos parents est-il inscrit ou ancien élève, ancien du système de l'Université de Nebraska? Non. Étudiant parent. Un étudiant de parent de génération est défini comme parent n'ayant obtenu son diplôme d'un établissement de 4 ans, quel est le niveau d'études le plus élevé de vos parents? Donc, parent 1, par exemple, comme ça, a quel diplôme associé à un baccalauréat d'études secondaires ou supérieures en dehors des États-Unis, oui, et le parent 2 aussi. C'est pas la peine, si vous voulez, vous mettez pas, si vous mettez ça. Comment avez-vous entendu parler de cette bourse? Vous allez mettre comme ça des réseaux, voilà. Ou bien vous voyez un peu ici comme ça, voilà, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Ok. Donc, je prévois de terminer l'anglais à l'UEK avant de commencer mon programme d'études. Donc, vous comprenez un peu ici. C'est ce que je vous disais. Je vous disais que l'anglais n'est pas vraiment. Le certificat de langue n'est pas vraiment obligatoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment postuler, ils peuvent le faire sans certificat de langue. Donc, vous allez venir sur oui. Voilà. Et si vous venez sur oui, je passerai un examen d'anglais avant l'admission. UCA recevra mon score d'ici le 15 octobre pour le semestre de printemps, le 15 février pour le semestre d'été. Voilà. Donc, pour le semestre d'automne applicable au semestre, donc, une fois que vous allez cocher oui, voilà, vous allez faire un cours en ligne et vous allez faire un examen d'entrée. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un certificat pour pouvoir postuler. Donc, ici, vous allez mettre comme ça, j'ai passé un examen d'anglais avant l'admission. Non. J'ai passé un examen d'anglais et le score officiel sera envoyé à Lucas. J'ai terminé l'examen à cette date. Ici, c'est pas la peine parce que vous avez mis non et arrivé là-bas que vous allez étudier d'abord la langue avant de pouvoir. Vous allez d'abord étudier la langue. L'anglais avant de pouvoir commencer le cours, donc c'est pas la peine de faire tout ça. Donc ici on dit quoi? Pour quel mandat souhaitez-vous postuler? On va prendre pour printemps parce que automne c'est déjà passé. Donc printemps 2022, c'est-à-dire vous allez commencer le cours en décembre janvier. Voilà, donc vous savez déjà que si, même si vous avez l'admission, vous devez faire assez de documents, de papiers de visa et tout ça. Vous ne pourrez pas entrer pour l'automne 2021, donc vous êtes obligé d'attendre comme ça jusqu'en janvier. Ça va vous prendre peut-être 5 à 6 mois pour pouvoir régler vos problèmes de documents et de visa. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, printemps 2022, postulez à l'université à Mayotteville, inscription 6225 au total, avec 4385 étudiants de premier cycle. Ah, vous voyez que vous n'êtes pas les premiers. Il y a déjà des personnes qui ont déjà postulé aussi. Donc, majeur, ici, vous voulez postuler en quoi? Je vais faire par exemple l'informatique appliquée ici. Voilà. Si vous suivez des cours d'orthophonie ou des cours
on te sourit. Veuillez choisir un décis. Non. Majeur. Donc, ici, si vous vous intéressez à la comptabilité intelligente d'affaires, la finance, marketing, la position, veuillez sélectionner. C'est pas un problème. Donc, prochain. Ok. Dit que, have you graduated from high school? Yes. Voilà. Et ici, on vous dit de mettre vos. Vous pouvez cliquer là. Voilà, ça va avancer. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pas un problème. Donc, arrivé là, vous cliquez sur Next. On va attendre que ça charge. Ok, dans les normes, ils doivent vous envoyer sur la plateforme pour pouvoir faire le paiement. Le paiement, c'est 45$. Voilà, le paiement, c'est 45$. Et j'aimerais aussi prévenir tous ceux qui veulent vraiment postuler pour les bourses du Canada et de les bourses du Canada et de les États-Unis. Si c'est sincèrement que vous aimerez aller aux États-Unis ou bien au Canada pour aller faire des études, alors sachez que 98% des plateformes, des applications, des universités sont payantes. Vous comprenez? Donc les applications sont payantes. Donc n'en finissez pas comme ça que vous voulez aller aux États-Unis ou bien au Canada pour aller faire les études et postuler à une bourse en ligne que vous ne voulez pas payer. Vous comprenez? Donc c'est pas ça, c'est pas vraiment possible. Donc vous devez forcément aller et essayer de payer ou bien faites au moins des cotisations pour pouvoir solder. Parce que sans ça, ils vont pas vous laisser à finir. Vous voyez ici, ils vont pas vous laisser finir votre votre application, voilà, si vous ne payez pas. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc ici comme je le disais, pour les collèges, ça c'est le high school. Est-ce que vous avez été gradué? Oui. Maintenant pour les collèges, vous allez indiquer comme ça si vous avez fait au moins 3 collèges ou bien 4 collèges avant de pouvoir valider votre année. Voilà, votre année de baccalauréat, vous pouvez indiquer le nombre de collèges que vous avez fait ici. Mais moi, je préfère que vous indiquiez comme ça. En tout cas, les collèges que vous avez fait, voilà. Moi, je prends un seul collège ici. Ou bien, je ne prends pas de collège. Voilà. Comme je prends un seul collège, c'est comme si j'ai fréquenté ou j'ai déjà fréquenté. Donc, vous cliquez sur un seul collège et puis vous avancez. Voilà. Et arrivé là, votre high school, le collège. Le type de collège, c'est quoi? C'est ici des homeschool, IG certificate, international high school. International high school. Donc, international high school, ici, graduate, vous avez été gradué, par exemple, un instant, vous avez eu votre diplôme comme ça. Quand est-ce que vous avez eu votre diplôme, vous indiquez ça là. Vous indiquez si vous avez votre diplôme, par exemple, comme ça, en 2020, vous indiquez le mois et l'année. Le mois, par exemple, je vais mettre... c'est 2020. Je considère que j'ai eu le diplôme en 2020, en juillet 2020. Donc, ça fait 07. Un instant. 07. Ok, 07-2020. Donc je considère que c'est à cette date là que j'ai eu mon diplôme. Voilà, mon diplôme de baccalauréat. Donc n'oubliez pas ici, pour cocher, vous allez prendre, si vous mettez homeschool, c'est pas bon, vous prenez international high school. Voilà, et maintenant vous suivez. Dans les noms, ils doivent vous afficher College World, Country, le pays, c'est quoi, Côte d'Ivoire. Ok. Et puis l'état de votre collège. L'état princesse. College Session, if you can find your college selects on. On listed. Donc ici le collège, vous pouvez mettre votre collège, voilà, vous pouvez chercher parce que ils vont essayer de vous donner un peu les collèges qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Vous allez pouvoir sélectionner. Maintenant, si vous ne l'avez pas,
vous pouvez chercher ailleurs. Voilà. Si moi je mets par exemple comme ça, voici Boaké, Université de Boaké, ça c'est à Boaké, Polytechnique, moi je vais prendre Boaké. Ça c'est une autre université, c'est comme si je venais pour le master, donc c'est pas bon. Je vais prendre par exemple. Ok, École supérieure du commerce, Université d'Abobo, Université, Institut. Ok, un instant. On va changer. Je vais prendre par exemple, c'est un exemple que je prends, donc j'espère que vous comprenez. Ok. Dans les normes, s'ils affichent comme ça, École supérieure du commerce, d'Abidjan. Ok, donc je prends ça. Vous avez commencé quand? Là-bas, le jour, le 12, le mois, deuxième mois, l'année. Vous avez commencé par exemple en 2000. Là-bas, je peux commencer comme ça en 2016 ou bien 2017. En 2017. Et ici, un instant, ils ont dit quoi? Ils ont dit le mois et l'année. Le mois et l'année, donc de 2017. Ok, et j'ai fini comme ça le 7 2020. Voilà. Et ici le degré que vous avez obtenu, ici comme je disais, j'ai choisi comme ça dans en voulant postuler, j'ai choisi le master degré, donc essayez de vérifier. Voilà, parce que le high school ne s'affiche pas ici, c'est à dire que j'ai choisi le master de la licence. Donc ici c'est la licence que j'ai obtenue, c'est comme si je venais ici pour faire le master, c'est comme si je venais ici pour faire le master, comprenez. Voilà, donc essayez de voir et puis faites moi signe de gaining date, la date à laquelle j'ai obtenu le diplôme, c'est quoi, 10e mois ou bien 9e mois 2020. Ok, donc je passe au next. S'il y a un souci, ils vont me dire, je vais reprendre. Voilà. Donc voici un peu le résumé, ce qui est là. Donc vous vérifiez le résumé, vous vérifiez bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer next pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir payer le somme de $45. Voilà, donc j'espère que c'est toujours le $45. N'oubliez pas. Donc ici, submit all documents, submit to American for admission proposed, become the property of the document will not be released to student or will not be forwarded intact. I certify that. I agree. Ici on dit $45 undergraduate application fees is required to first. The first year transfer application and must be paid after your application is reviewed. The application is not fee is not refundable. C'est pas remboursable. It does not be guaranteed admission in all. Donc on vous dit par exemple comme ça que l'application, c'est-à-dire la somme que vous allez payer, les $45, ne sont pas remboursables et aussi ça ne garantit pas aussi votre admission. Voilà, donc ça veut dire qu'il doit faire d'abord l'étude de votre dossier pour pouvoir vous donner l'admission. Donc ici pour pouvoir payer, vous pouvez mettre pay letter, voilà, ou bien vous pouvez mettre credit card. Voilà, vous pouvez payer avec le credit card ici. Donc moi je vais mettre pay letter parce que moi je ne suis pas là pour finir payer. Donc submit, ils vont me dire de payer. Donc moi je suis pas là pour ça. Donc en fait, c'était juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Thank you for completing your application for admission and the Nebraska. Information regarding your application will be sent to the email you provided on your application. Voilà, donc, et ils ont mis pay later. Donc, après, vous allez pouvoir payer. Ok, donc, c'était un peu ça. Et à plus, les gars. Voilà, c'était moi, Sam Hospital. N'oubliez pas de me donner un like. Ça va, droit au cœur.